Comment tu peux t'aborder comme ça et faire 2-0 en l'espace de 25 minutes alors que t'es à 11? Ça y est, c'est officiel. L'AS Saint-Etienne remonte en Ligue 1 et le FC Metz descend en Ligue 2. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du côté de Metz afin d'assister au barrage retour Ligue 1 Ligue 2 entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Il y a quelques jours de cela, j'étais à Geoffroy Guichard afin d'assister au match aller qui a vu les Verts s'imposer 2-1. Mais aujourd'hui, c'est un autre match avec un contexte totalement différent pour les deux équipes. Donc rien n'est joué, très loin de là. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'à la fin de cette journée, à la fin de ce match, on saura qui du FC Metz et de l'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 1 et en Ligue 2 la saison prochaine. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, il est actuellement un peu moins de 13h. Je prends donc la direction de la place de la République car un cortège est organisé de la part des supporters messins. Donc pas de temps à perdre. Direction place de la République pour assister à ce cortège en direction de Saint-Symphorien. Ça va ou quoi mon ref? Ça va, tranquille, hein. En tout cas ça fait plaisir, hein. 4e match. 4 matchs ensemble. Alors qu'en début de saison, on se connaissait même pas. On s'est rencontrés ici lorsque j'étais venu en début de saison pour le match face à Strasbourg. Ouais. Et là on va vivre notre 4e match de la saison ensemble. C'est une dinguerie. Il y avait ce match là. Ouais. Il y avait les deux matchs avec Paris. C'est ça, ça fait 3, plus celui-là, ça fait 4. Et comme par hasard, Metz en barrage, match retour à Metz. C'est vrai, c'est incroyable. Parce que le taux de probabilité pour qu'on se croise en début de saison et que je revienne à Metz en fin de saison parce que Metz joue les barrages face à l'AS Saint-Etienne, le pourcentage n'était pas élevé, hein, honnêtement. Je pense aussi. T'as les places? Hein? T'as les places? Je pense que j'ai les places. Bah, est-ce que t'as les places? Tu passes du match? Non, je sais pas. Ah, on commande en fait. Ah non, je rigole, c'est moi qui les ai. Allez, on va. Oh là, le coup de presse. J'ai vu dans ton regard en mode. Bah attends, moi je suis venu dans mes poches là. Bon après, tu vois, je rigole. Je préfère que ça m'arrive Metz Saint-Etienne que PSG Barça. Ah oui, bien sûr. Bon, ça m'aurait même fait chier. Oui, moi aussi. Mais c'est bon, je les ai. Allez, on rentre dans ce stade Saint-Symphorien. Bon, bah la fouille est passée. Là, c'est le dernier vlog de la saison, donc je peux le dire officiellement. J'ai toujours réussi à rentrer avec ma caméra. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. La seule fois où j'ai eu un vrai coup de pression, c'était avec toi au Parc des Princes pour la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Et finalement, j'ai pu réussir à rentrer avec, donc c'est tout bénef. On va passer juste ici. Ça rappelle des souvenirs.
Ça rappelle quand on s'est rencontrés ici même lors du match face à Strasbourg. Là, c'est un tout autre match avec un contexte. L'équipe de France masculine dans le speaker. Ah, l'équipe de France qui joue ici. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. L'équipe de France qui joue ici face au Luxembourg. Bon, je me doute que ça doit déjà être à guichet fermé. Et là, on voit les écrans géants, il y a écrit quelle que soit l'issue de ce match et de la saison. Nous vous remercions par avance de ne pas envahir la pelouse. Merci de votre compréhension. Ça veut dire qu'on va descendre. Non, mais justement, avant que le speaker commence à parler, j'allais te demander comment est-ce que tu le sens ce match. Je ne sais pas. Il y a trop de problèmes en interne dans le club. L'entraîneur qui s'est mis à dos les joueurs, quand ça commence comme ça en général, c'est pas bon. Après, j'espère me tromper. On a vu les déclarations en fin de match de Laszlo Bologna, notamment sur le capitaine Mathieu Hudol. C'est vrai que ça annonce une mauvaise ambiance au sein du vestiaire. Et si tu devais donner un prono, parce que c'est bien beau de ne pas le sentir, mais combien est-ce que tu vois? Je vois un partout. Ok. Match nul et Saint-Etienne se qualifie avec un bilan. On est deux. Un partout également. Oui, moi je vois ça aussi. On verra ce que ça donnera, mais je vois bien un 1-1 cet après-midi. Synonyme du coup de descente en Ligue 2 pour le FC Metz et de montée en Ligue 1 pour la Saint-Etienne. Un but partout du coup pour nous deux. Synonyme du coup, comme je le disais, de descente malheureusement pour vous pour le FC Metz et de montée pour la Saint-Etienne. De toute façon, il y aura un déçu cet après-midi quoi qu'il arrive. Ça sera soit le peuple messin qui sera déçu, soit ce sera le peuple stéphanois. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, ça s'annonce extrêmement prometteur, notamment pour l'entrée des joueurs, parce qu'il y a des bâches, je vois, il y en a qui sont déployées à peu près de partout dans le stade. Il y a également pas mal de tifos papiers sur les sièges en face de nous, à notre gauche. Enfin, franchement, allez-y. Franchement, ça s'annonce extrêmement, extrêmement prometteur en tribune, mais également sur le terrain, parce qu'à mon avis, on va quand même avoir un bon match. J'espère. Et petite anecdote, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais de tous les matchs qu'on a vus ensemble, l'équipe à domicile n'a jamais gagné. Donc, que des matchs négatifs, que des matchs négatifs. Exactement. Bon, moi, après, honnêtement, je suis neutre cet après-midi, mais c'est vrai qu'on a été voir Metz-Strasbourg en début de saison, défaite 1-0 de Metz. On a été voir PSG-Barça, défaite 3-2 du PSG. On a été voir PSG-Dortmund, défaite 1-0 du PSG. Et là, on va voir Metz-Saint-Etienne. Bon, les gars, misés. Hein. tout sur santé, les gars. Même si, ouais, cette vidéo après le match, effectivement, mais ça sent pas bon quand même pour les Messins, même si les records sont faits pour être brisés. Donc, j'espère pour vous, les Messins, que ça va se briser. On verra comment ça va se passer, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'incident à la fin de ce match. Parce qu'on a vu ce qui s'était passé, notamment en début d'année, après la défaite face à l'Olympique Lyonnais, où les ultra-messins avaient envahi la pelouse. Là, est-ce qu'en cas de descente en Ligue 2, ça se reproduira? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, donc on verra bien. La composition du FCMH, le commandant jusqu'à Messin. Ah, c'est lui qui est le plus acclamé, hein. Sans surprise, c'est Georges Mikotadze, le plus acclamé ici au stade Saint-Symphorien. Et on l'a entendu, Laszlo Bologna qui s'est fait huer, siffler par ses supporters. Et ça y est, les tifos qui font leur apparition ici au stade Saint-Symphorien. Pas de surprise, je m'y attendais, c'est absolument magnifique. Bravo aux ultras, gros gros boulot encore une fois. Au travail, hein, comme je le disais, de la part des ultras messins. Groupe Metz qui inscrit Ma ville c'est la plus belle en latéral, tribune nord, football club de Metz, je t'aime. Et du côté de la Horda frénétique, mon club c'est le plus beau,
le parcage stéphanois qui est quasi comble, le niveau inférieur est comble. Un gros trou au niveau supérieur, mais les stéphanois qui sont venus en nombre. Et belle, belle ambiance en avant-match ici du côté de Saint-Symphorien pour ce barrage retour Ligue 1 Ligue 2 entre le FC Metz et l'AS Saint-Étienne. Ton Ligue 1 et en Ligue 2 la saison prochaine. Élément de réponse dans quelques longues minutes. Et l'AS Saint-Étienne, vous l'entendez, c'est extrêmement chaud en tribune. Qui va être en Ligue 1 la saison prochaine? Qui va être en Ligue 2 également la saison prochaine? Grosse, grosse tension sur les deux équipes. Oula, Jérôme Brizard qui va voir la VAR. Après cette faute sur Denis Sapia, le latéral stéphanois. Et généralement, je dis bien généralement, quand un arbitre va voir la VAR après une faute et après avoir sanctionné un joueur d'un carton jaune, ça sent pas bon. On aura peut-être un carton rouge là déployé au bout de 5 minutes. Ce qui n'arrangerait pas les Messins, mais ce qui arrangerait bien les Stéphanois. C'est exactement ce que je disais. Quand l'arbitre va voir la VAR comme ça après avoir mis un jaune. Oh là là. J'ai pas vu hein, parce qu'on est, quand même assez loin. Allez, t'as vu le ralenti, il y a vraiment faute. Là la Saint-Étienne à la montée en Ligue 1 à portée de main. Ça va être très compliqué je pense du coup pour les Messins. Parce que là, il faudra un exploit vraiment pour que les Messins arrivent à s'imposer et surtout à obtenir son maintien en Ligue 1. De quoi? Ikea
une faute bête. C'est une faute bête. Dès le début du match, comme ça, ouais. C'est... Est-ce que c'est un pied ou en fait, Jimmy? C'est ça. Donc, oui. Compliqué. En tout cas, c'est vraiment un match sous haute tension. Mkelze sur le côté gauche. Mkelze, c'est pas lui qui a pris un rouge. Hein. Non, c'est pas lui. C'est un bordel les gars, c'est incroyable, mais quelle tension en tout cas. C'est la première fois que j'assiste à un barrage, mais waouh. Ça doit être tellement stressant quand t'es supporter d'une équipe qui joue le barrage. J'imagine même pas la pression que ressentent les Messins et les Stéphanois actuellement. Oh là 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 là, quel arrêt! Bah tu vois, étonnamment, pour l'instant, l'infériorité numérique, elle se fait pas tant ressentir que ça. Incroyable.
Metz qui reprend l'avantage. 3-2 sur l'ensemble des deux matchs, alors qu'ils sont à 10, je le répète encore une fois, depuis la cinquième minute de jeu. C'est incroyable, on est en train de vivre un match incroyable. En termes de scénario, c'est complètement fou. Et nos pronos, nos deux pronos sont déjà tombés à l'eau. on avait dit 2-1, on avait dit 1-1, pardon, 1 partout. Il y a 2-0 pour Metz. Mais quel début de match! Oh là là, première demi-heure exceptionnelle. Qui rate son contrôle. J'hallucine, vraiment. J'hallucine. Saint-Étienne qui réduit l'écart sur coup de pied arrêté. Tout est relancé encore une fois. 2-1. C'était le score du match aller. Léo Petro qui marque sur coup de pied arrêté. Comme je le disais, c'était le score du match aller, donc tout est relancé. Rien n'est fait, très loin de là, ici à Saint-Symphorien, entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Tout est à refaire actuellement pour les Messins. C'est parti pour cette seconde période entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. C'est vrai que j'ai pas fait de petit débrief mi-temps parce que mon collègue est parti et je pensais qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu au bout de ces 15 minutes. Donc voilà, comme je le disais, début de seconde période, 2-1 pour le FC Metz. Donc pour l'instant, rien n'est joué, très loin de là. Égalité parfaite, on verra ce qui va se passer. C'est vrai que depuis le but de l'AS Saint-Etienne, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Messins. Ah bah ça a été de retour toi. Putain, je pensais qu'on allait plus haut, on allait pouvoir faire le petit débrief mi-temps ensemble, mais non, tu m'as abandonné. Je disais que franchement, le match était plutôt plaisant, surtout au début. Après, c'est vrai que quand l'AS Saint-Etienne a marqué, il y a vraiment eu un coup de moins bien côté FC Metz. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que nos deux pronos sont tombés à l'eau. Donc, à mon avis, pour toi, comment ça va se terminer? Moi, je suis complètement indécis. Franchement, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre, ouais. Parce que t'as le rouge d'un côté, de l'autre t'as pas le rouge, mais mentalement tu sens que ils sont assez faibles. Bah ça peut tourner d'un côté comme de l'autre, exactement. Franchement, là, à l'instant T, je pourrais pas dire. Avantage quand même à Saint-Etienne qui évolue à 11, mais on a vu que ça ne voulait pas dire grand chose, alors peut-être que sur la fin ça va tirer physiquement, mais sur le long terme peut-être que ça va tourner à l'avantage, c'est ça. Parce que en tout cas en première période on l'a pas vu, hein. Il n'y a pas eu une si grande différence et j'ai même l'impression que ça a motivé les Messins à mettre deux buts assez rapidement. Donc on verra, place désormais à la seconde période, mais c'est vrai que depuis le but stéphanois, il s'est passé un peu moins de choses sur le terrain. Tête de Cafaro. Tête de Cafaro et le ballon qui est capté par Alexandre Kidja. La tension est palpable, hein, vraiment. On sent cette pression des deux côtés, que ce soit supporter messin, mais on voit dans le parcage, ils commencent à câbler un petit peu les Stéphanois. Ah, là ça rentre, c'est ce qu'eux ils ont jeté qui rentre. Parce qu'effectivement, les supporters stéphanois qui ont jeté des fumigènes au sein de la Horda frénétique, et les amis, un petit changement de caméra s'impose. La tension est palpable ici, c'est incroyable. Un petit changement de caméra s'impose car je n'ai plus de batterie sur celle-ci. Donc va peut-être y avoir un changement au niveau de la qualité. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ça me fait chier honnêtement que ça arrive comme par hasard pour le dernier vlog de la saison. Mais j'ai eu du mal à le prévoir honnêtement. Je ne m'y attendais pas forcément. Donc voilà, petit changement de caméra pour assister à cette fin de match. Mais comme d'habitude, toutes les actions, toutes mes réactions. Et je pense que c'est le bon moment. Parce que ça s'enflamme ici entre le FC Metz. Il n'a pas accordé de penalty au Messin. Bref, changement de caméra afin de suivre cette fin de match qui est tout bonnement électrisante.
c'est chaud. C'est chaud. Mais pour moi, il y a but. Hein. Parce que si Sokou, il n'est pas hors-jeu au départ de l'action. Il y a clairement but. Je vais pas filmer. Parce que c'est pas des images que j'ai envie de montrer, honnêtement. Qui reste au sol. Les grosses, grosses tensions. On a carrément les mecs de la sécurité là qui sont sur le terrain pour demander à Ivan Masson de ne pas charrier. Pour l'instant, le but n'a pas été validé. Hein. Il y a toujours écrit 2-1 sur l'écran géant, mais pour moi, le but est valide parce que Sissoko n'est pas hors-jeu au départ de l'action. Monsieur Brizard qui est allé voir là-bas. En tout cas, ça tourne beaucoup autour de l'arbitrage à cette rencontre. Énormément. Donc voilà, là on est passé du coup avec l'autre caméra. J'espère que je profite de cette petite pause pour vous le dire. J'espère que ça va bien au niveau de la qualité. Et c'est loin d'être terminé dans ce match. Très 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 loin. Et Kidja qui s'est relevé. On va bien évidemment attendre la décision des arbitres. Et notamment celle de Monsieur Brizard. Les prolongations, parce qu'effectivement, malgré la victoire messine, étant donné qu'il y a eu 2-1 au match aller pour les Verts, égalité parfaite. Première fois que tu vis des prolongations, ouais. Peut-être des tirs au but. De toute façon, pour moi, c'est ce qu'il faut vraiment aller chercher côté FC Metz, parce qu'on a vu qu'ils n'avaient plus les ressources pour aller en marquer un troisième, contrairement à l'AS Saint-Etienne qui a bien dominé la fin de seconde période. C'est logique. Comment je l'ai pas vu venir. C'est but de l'AS Saint-Etienne. Ah mais sur cette situation-là. Parce que ouais, sur l'ensemble de la prolongation, il faut dire que c'est mérité. Metz qui évolue à 10 depuis le début de ce match. Et là ils se font punir. Là ça se sent vraiment. Et l'AS Saint-Etienne est à un peu moins de 3 minutes d'une montée en Ligue 1. Ouh la clim. Et ça y est, c'est officiel, l'AS Saint-Etienne remonte en Ligue 1 et le FC Metz descend malheureusement en Ligue 2. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. C'est déjà une bonne chose honnêtement parce que je doutais à ce niveau-là. Et voilà, Metz qui une nouvelle fois fait l'ascenseur. Metz qui était en Ligue 2 la saison dernière. Et Metz qui redescend une nouvelle fois en Ligue 2. Oula, ça dégénère là-bas. Ça dégénère, ouais. Vraiment, ça dégénère fort. Entre l'Horda Frenetic et le parcage stéphanois. Mais comme je le disais, ça y est, c'est officiel. L'AS Saint-Etienne remonte en Ligue 1 et le FC Metz descend en Ligue 2. C'est des images qui sont terribles. Je ne vais pas vous les diffuser, mais c'est vraiment des images qui sont terribles. Des images que je n'ai pas envie de prôner sur la chaîne. Ça dégénère pas côté groupe AMES. Donc ce que je propose, c'est qu'on se retrouve du coup à l'hôtel avec la vraie caméra. Histoire de faire un long débrief sur tout ça, sur ce match, tout ce qui s'est passé et surtout de parler de cette dernière vidéo. La dernière vidéo de la saison, le dernier vlog. Encore merci à vous, mais là ça dégénère fort entre le parcage stéphanois et l'Horda Frenetic. D'un côté, l'extase des supporters stéphanois qui remontent en Ligue 1
et de l'autre côté la déception des supporters messins qui redescendent en Ligue 2. Bon, ça y est, on peut officiellement le dire, la saison 2023-2024 est terminée. Un peuple heureux, à savoir le peuple stéphanois, et un peuple malheureux, à savoir le peuple messin. Et honnêtement, je suis très content pour les Stéphanois parce que j'en parlais lors de ma vidéo de vendredi lorsque j'ai fait le déplacement du côté de Geoffroy Guichard jeudi pour assister au barrage aller. Mais Saint-Etienne, c'est pas un club de Ligue 2. Saint-Etienne n'avait rien à faire en Ligue 2. Quand on voit l'historique du club et surtout le nombre de supporters, la communauté, la puissance de la communauté stéphanoise, mais à aucun moment Saint-Etienne n'a quelque chose à faire en Ligue 2. On va être honnête deux minutes. Alors effectivement, je suis déçu également pour les Messins parce que Metz, bah, malheureusement, j'ai l'impression que c'est une boucle qui ne se termine jamais. Je veux dire, Metz, c'est vraiment le club ascenseur typique. Hein. Ça monte en Ligue 1, ça redescend en Ligue 2, ça monte en Ligue 1, ça redescend en Ligue 2. Ça ne fait que ça quasiment saison après saison. Et c'est dommage parce que ce club a vraiment du mal à avoir une stabilité, alors que pourtant il y a beaucoup de personnes qui les poussent. On l'a vu cet après-midi notamment via le cortège ou encore dans le stade où franchement il y avait une belle ambiance, que ce soit au niveau des copes, donc des virages, ou encore au niveau des tribunes latérales, mais c'est comme ça. L'AS Saint-Etienne, en tout cas, ça y est de retour en Ligue 1, et je pense que ça va faire énormément de bien à tous les supporters stéphanois. Bon, après, ils se sont fait quand même un petit peu peur, hein, nos amis stéphanois, parce que quand on regarde la physionomie du début de match, on se dit, mais comment est-ce que tu peux perdre 2-0 en l'espace de 20-25 minutes? Comment est-ce que ça peut tourner en la faveur du FC Metz alors que tu évolues à 11 contre 10 depuis le début du match? Et je pense sincèrement que si l'AS Saint-Etienne n'avait pas obtenu cette accession en Ligue 1, ça aurait été digne d'une faute professionnelle. Franchement, ça aurait été une faute professionnelle de la part des Stéphanois. Heureusement pour eux, ils ont réussi à l'emporter. Alors non, effectivement, ils ont fait un match nul, mais sur l'ensemble des deux matchs, c'est eux qui montent en Ligue 1. Donc bravo à eux, très content pour eux. Maintenant, à voir ce que va faire l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, à voir ce que va faire le FC Metz en Ligue 2. Si je devais donner un petit prono comme ça, je pense que ça va être compliqué pour l'AS Saint-Etienne, surtout si ça recrute pas extrêmement fort, hein, du côté des Verts. Je pense que ça va être compliqué, je pense que ça va jouer le maintien en Ligue 1, honnêtement. Donc je dirais entre la 10e et 18e place, allez, 12e et 18e place, on verra ce qui va se passer, bien évidemment. Et du côté du FC Metz, je pense que ça va jouer... Je pense limite que Metz va remonter, en vrai. En vrai, je dis ça, mais je pense vraiment que le FC Metz va remonter en Ligue 1 parce que bah, ils ont tellement l'habitude de le faire. Je veux dire, Metz, c'est vraiment un club qui fait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 quasiment chaque saison. Donc ouais, je pense que le FC Metz va remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine et que l'AS Saint-Etienne va jouer le maintien en Ligue 1 également la saison prochaine. Ça y est, les amis, c'était officiellement le dernier vlog de la saison. Une longue saison. Et je suis un peu déçu parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste au niveau de ma chaîne YouTube. J'aime bien quand les vidéos sont bien réalisées. Et là, je sais vraiment pas ce que ça va donner au niveau de cette vidéo parce que voilà, je l'ai expliqué vaguement quand j'étais au stade, mais j'ai eu un problème de batterie avec ma caméra, la caméra que je tiens là actuellement dans la main. Ce qui a fait que bah, quasiment toute la deuxième mi-temps et toutes les prolongations, j'ai filmé avec l'iPhone de mon pote Thomas. Donc je sais pas trop comment ça va rendre au niveau de la qualité, mais en tant que personne très perfectionniste, franchement ça m'a fait chier, ça m'a même fait sortir de mon match. Je pense que ça s'est ressenti au niveau des interactions. J'ai peut-être été un peu moins pertinent que d'habitude parce que bah, j'étais blasé. Honnêtement, j'aime pas commencer une vidéo avec une qualité A et finir une vidéo avec une qualité B. Donc on verra ce que ça va donner, mais je m'excuse pour ça. Voilà, il fallait bien au bout de plus de 20 vlogs dans la saison qu'il y ait une couille au bout d'un moment. Ça a été sur le dernier, malheureusement, donc je suis assez déçu à ce niveau-là. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas dérangé. Mais voilà, ça y est, la saison est officiellement terminée. J'ai fini le projet Tour de France dans un premier temps. J'ai fait les barrages également, je l'avais dit, le barrage du côté de Geoffroy Guichard et le barrage du coup aujourd'hui du côté de Saint-Symphorien. Ça a été une saison exceptionnelle, honnêtement, que ça soit personnellement ou encore au niveau de la chaîne YouTube, donc professionnellement, on peut dire. Parce que oui, je gagne de l'argent grâce aux vidéos. Alors, pour être tout à fait honnête, je gagne pas des 1000 et des 100. Mais avec les revenus de certaines vidéos, ça m'a permis de financer quelques déplacements. Donc ouais, ça fait plaisir, honnêtement, de voir que son travail est récompensé. Et je vous remercie, vous, les amis, parce que vous m'avez donné un soutien énorme tout au long de la saison. Vraiment, je veux pas dire que je m'y attendais pas, parce que je savais qu'avec un projet comme ça, un projet Tour de France, c'est un projet surtout aussi bien réalisé,
Je savais que ça allait fonctionner, honnêtement, mais merci beaucoup pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires, tous vos abonnements. On approche à grands pas, pardon, des 10 000 abonnés. Et j'espère les avoir avant le début de l'Euro. Donc on verra, il y aura sans doute des vlogs qui seront visionnés là lors de ces deux prochaines semaines. Il y aura celui-là qui va sortir également. Donc il y a grosso modo encore un peu plus de 1200 abonnés à gagner. Donc ça va être extrêmement compliqué en l'espace de deux semaines. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, voilà, merci à vous, honnêtement, pour cette saison. Je sais pas quoi vous dire. Merci à toutes les personnes qui, à chaque fois, ont été présentes, qui, à chaque fois, me soutenaient en mettant des likes, des commentaires, qui partageaient. Enfin, franchement, vous êtes les boss, vraiment, et vous m'avez fait vivre une saison exceptionnelle. Hein, voilà, donc, je sais pas quoi vous dire, à part merci. Si j'atteins les 10 000 abonnés d'ici deux semaines, je pense que je ferai une belle FAQ sur la chaîne et que voilà, je ferai une petite annonce dans l'onglet communauté afin de vous demander de me poser vos questions et j'y répondrai au sein d'une vidéo posée tranquillement chez moi. Ça me tiendra à cœur, honnêtement, de la faire. Donc, ouais, j'espère vraiment avoir les 10 000 abonnés d'ici deux semaines, même si, comme je le disais, il y en a quasiment 1200 à avoir. Donc, ça va être extrêmement compliqué, je pense, mais ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Mais voilà, je compte sur vous, comme d'habitude, les amis. Je vous remercie, vous, vraiment, encore une fois, pour la saison que vous m'avez fait vivre. C'est pas simple, honnêtement, de réaliser des vlogs comme ça dans les stades, mais c'est quelque chose de magnifique, honnêtement. Donc, voilà, merci à vous. Je me remercie moi également parce que j'ai passé quand même une très très belle saison. J'ai voyagé partout en France, dans tous les stades de Ligue 1, dans quelques stades de Ligue 2 du coup également. J'ai été voir des matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence, de Ligue 1 du coup, de Ligue 2, de Barrage du coup, Ligue 1, Ligue 2. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc ouais, vraiment merci à vous. Je vous remercie du fond du cœur. Je tiens également, c'est vrai que je ne l'ai pas fait de la saison, mais là j'y pense, donc je le fais dès maintenant. Je tiens à remercier mon mini-maker, donc Syriac. Franchement, si tu passes par là, gros gros big up à toi. Mon mini-maker, bah en fait, c'est tout simplement le gars qui réalise mes miniatures depuis le début de saison. C'est lui qui a fait toutes mes miniatures, donc de la vidéo Nantes-Marseille, donc la première de la saison, jusqu'à celle-ci, donc barrage retour Ligue 1, Ligue 2, entre le FC Metz et la AS Saint-Etienne. Le gars carré, toujours dans les temps, a réalisé un travail de qualité, toujours avec une réactivité sans nom, honnêtement très 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 professionnelle. Je vous mettrai le lien de son Twitter en description si vous souhaitez le contacter pour vos projets professionnels, vos projets YouTube ou autres. Franchement, n'hésitez pas, foncez, parce que le gars est vraiment professionnel et je regrette pas d'avoir collaboré avec lui. Je compte continuer de collaborer avec lui la saison prochaine, pour de nouveaux projets, parce que oui, il y aura de nouveaux projets sur la chaîne la saison prochaine, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus, je pense, dans la vidéo FAQ, s'il y a des questions qui sont posées par rapport à ça, et je pense qu'il y en aura. Voilà, je pense avoir fait le tour, petit speech de fin de vidéo. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé, c'était la dernière vidéo de la saison. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, voilà. Le like et l'abonnement, encore une fois, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve, eh bien, début de saison prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Là ça y est, je vais souffler un petit peu pendant 2 mois parce que bah, ça a été éprouvant physiquement, ça commence à tirer là physiquement ces dernières semaines honnêtement. Et même économiquement aussi ça va me faire du bien parce que bah, se déplacer comme ça à droite et à gauche, ça coûte assez cher. Donc ouais, économiquement ça va faire du bien, mais physiquement surtout. Et je pense que c'est plus important parce que la santé passe vraiment avant tout. Donc nous, on se retrouve eh bien début de saison prochaine, donc vers fin août, début septembre, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Et encore une fois, merci du fond du cœur à tous pour votre soutien qui a été tout bonnement exceptionnel cette saison.